Dans la même ambiance de partage et de réflexion, le Conseil international des aéroports Afrique se renouvelle encore cette année. Un rendez-vous désormais annuel. Il réunit des décideurs aéroportuaires africains, des spécialistes du transport aérien ou encore des experts du domaine de l'aviation civile. Il représente plus de 20 pays du continent. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Collaboration pour une aviation sûre, sécurisée et durable en Afrique ». C'est un thème bien entendu et qui est d'actualité et qui est important pour le développement de notre économie. Le transport aérien, c'est un facteur de développement économique, mais c'est également la conséquence d'un développement économique. Donc nous devons nous assurer que son développement est pérenne et pour cela, nous devons bien entendu mettre en place tous les outils et toutes les mesures nécessaires pour qu'il se fasse dans les conditions les plus, dans les standards les plus élevés en termes de sécurité et de sûreté. Le secteur aéroportuaire est donc un relais de croissance pour l'économie africaine. Ce constat fait l'unanimité auprès des participants. Et pour développer le secteur, il faut collaborer et favoriser l'échange des expériences et des capacités. C'est l'occasion pour nous également de conforter notre rôle de porte d'entrée au continent africain, bien sûr pour le rayonnement de notre pays. Nous allons également signer la reconduction du siège de l'ACI Afrique que nous avons accueilli pendant 10 ans pour 10 ans supplémentaires. Et pour cela, et pour nous, cela est une étape très importante de l'ancrage du développement du transport aérien et du domaine aéroportuaire national au sein du continent africain. À côté des signatures de conventions, l'événement est ponctué de plusieurs réunions de travail, des sessions d'échange autour de thématiques liées à l'économie et à l'environnement du transport aérien.